C'était l'affluence des grands soirs au théâtre Jean Villard ce samedi 15 janvier pour l'ouverture de Suren Cité Danse. Malgré ses 700 fauteuils, la salle était archi-comble. Christian Dupuis, maire de Suren, accompagné de plusieurs élus, Olivier Meyer, directeur du théâtre, des professionnels de la culture et surtout de très nombreux amateurs de danse et de hip-hop étaient venus assister à la création de Street Dance Club, qui ouvrait ce 24e festival. Produit par le théâtre de Suren Jean Villard, Street Dance Club est une chorégraphie de l'américain Andrew Skills sur une musique originale du pianiste Antoine Hervé. Les sept danseurs revisitent le Cotton Club des années 30 dans une version moderne et poétique. Après la représentation, saluée par un public très enthousiaste, Olivier Meyer et Christian Dupuis ont tenu à féliciter les danseurs en coulisses. Quelle tenue ! Bravo ! C'est une ouverture en fanfare, un spectacle complet qui est à l'image finalement de ce que représente ce festival sur une cité danse, qui a permis de comprendre que le hip-hop c'était à la fois une technique d'une très grande exigence, d'une complexité physique absolument extraordinaire, et qui en même temps, il y a une espèce de second degré, ça ne se prend pas au sérieux, et le public le perçoit comme tel. C'est pour ça que ça transmet beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Pour les jeunes surénois qui seraient tentés de rejoindre une troupe, et en particulier de travailler ici à Suren Cité Danse, ce serait de bien intégrer d'abord qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Parce que lorsque l'on voit un spectacle, on n'imagine pas toujours le travail préparatoire qu'il faut pour arriver à un tel résultat. Mais si on a l'envie, je pense qu'on peut y arriver. C'était tout juste magnifique. Les liaisons entre les tableaux qui étaient extrêmement fluides. Moi, je viens à ce festival depuis toujours et je suis allée voir de la danse aussi ailleurs. Et vraiment, il y avait des choses très créatives, très nouvelles. Alors vraiment, et en plus, ça fait du bien, quoi. C'est gai, c'est vivant, c'est rapide. C'est très chouette. J'ai beaucoup aimé les moments aussi de contact où il n'y avait pas de son finalement et c'était des gestes et c'était visuellement très beau, voilà. Si vous aussi êtes fan de danse et avez raté Street Dance Club, il vous reste jusqu'au 8 février pour aller voir l'un des 9 autres spectacles du festival. Cette année, 6 créations sont au programme, dont le trio Amala Junior Sly, mis en scène par Mathilde Amet, et aussi 4 reprises, dont le célèbre Pixel de Mourad Merzouki.